Philippe Gasse, merci premièrement d'avoir accepté notre invitation. Combien d'années chacun à CJSR, Julie? Ouais. Environ 23-24 ans. 23-24 ans, Philippe? Ouais, un peu plus d'une quinzaine d'années, là, entre 15 et 18, là, je dirais. Là, c'est fait quand même... Ça fait du temps? Oh, oui, ça fait du temps. Oui. Énormément d'années à passer à la même station quand même. Vous êtes des passionnés, puis vous avez beaucoup de souvenirs, mais c'est quoi vos plus beaux souvenirs de la station? Aïe, aïe, c'est difficile à répondre. Ouais, c'est... Un des plus beaux souvenirs, c'est de la première émission que j'ai faite avec Julie. Parce on a eu plus de fou rire que d'autres choses, mais... C'était quoi l'émission? C'était Info 3 à CJSR. Parce qu'elle, ça faisait longtemps qu'elle faisait. Ouais. Puis moi, mon rêve, c'était d'aller m'asseoir à côté puis pouvoir le faire avec elle. Elle avait déjà des acolytes. Puis, à un moment donné, la place s'est libérée. Puis on me l'a demandé. Et là, j'étais heureux de pouvoir essayer ça à mon tour. On l'a fait pendant plusieurs années, Info 3 ensemble. Ah oui, plusieurs années. Ouais, exact. Fait qu'on pouvait partager... Ah ouais. Le couple et le plaisir ainsi que notre relation, fait que c'était parfait. Ben, c'est ça, les deux, vous êtes en relation de couple depuis combien d'années? 21 ans. Et comment CJSR a contribué à ça? Ben, en faisant les émissions ensemble, tu sais, moi, comme il dit, ça faisait longtemps, je faisais Info 3. J'avais commencé d'autres émissions, fait que là, il y avait intérêt à commencer avec nous. Mais... C'est tout faire ça ensemble. Après ça, on a eu nos enfants, on a continué d'en faire. Les enfants venaient à CJSR. Stéphane était hyper patient parce que les enfants peuvent se promener dans CJSR. Touche pas au piton, touche pas à ça. C'était bien parfait, mais oui. Mais c'est il y avait vrai. Eu l'habitude avec nous autres aussi. Au début, on était le même jeune. C'est quand on allait à CJSR les premières fois, on voulait tout faire à tout. On voulait tout. On veut connaître. Mais dans le fond, sans savoir, elle, pendant qu'elle commençait, c'est comme caméraman au début. Moi, je faisais de l'improvisation, puis c'était filmé pour être passé à CJSR. Bon, on savait pas qu'on allait sortir ensemble, mais elle filmait, puis moi, j'étais en avant sur la scène, mais on se connaissait pas. Ouais. Par la suite, il est arrivé d'autres interactions, mais le fait aussi d'avoir fait des choses à CJSR, elle savait qui j'étais, je savais qui elle était. La télé a développé ça. C'est ça, exactement. Il y avait eu une époque, puis là, ben, on a pu approfondir autant notre relation professionnelle qu'amicale. Ouais. Les deux, vous avez fait de la télévision. Vos enfants ont été à CJSR aussi. D'où vient l'intérêt pour la télévision communautaire chez la famille Gasse? Bien, pour ma part, quand j'ai commencé à peu près à l'âge de 12 ans, c'est mon frère, Martin Moras, qui est maintenant TVA, qui a commencé en tant que, justement, caméraman. Il était curieux, il voulait en apprendre là-dessus. Fait que là, je dis, bien, moi aussi, j'ai envie d'y aller. Fait que mes parents nous laissaient là, on venait voir, on prenait de l'intérêt à savoir comment ça fonctionnait. Puis ma première émission ou annonce publicitaire que j'ai faite, ça a été pour le télébingo, ce qui est assez loufoque aujourd'hui, mais... C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, ça, on dirait que tous les liens se font. Oui. Là. Parce qu'aujourd'hui, j'anime le télébingo, puis ma fille travaille à la régie du télébingo de temps en temps. Alors, c'est de la main-d'œuvre pas chère. Oui, c'est ça, exactement. C'est parfait, exact. Et le télébingo, c'est l'une des émissions qui pogne le plus en bon français. Mm-hmm. Comment vous expliquez le succès du télébingo? Bien, ça rejoint, surtout que ça a grandi avec le temps. Au début, tu sais, c'est GSA, nous autres, quand on a commencé, c'était Saint-Raymond seulement. Puis là, ben après ça, ça s'est développé. Derry Télécom a acheté du câblage un peu partout dans la région. Pont-Rouge, Saint-Marc, là, on est rendu. Écoute, quand tu regardes le réseau, il est grand, le réseau de distribution. On s'en rend même pas compte. Fait que c'est pour ça que, tu sais, au début, on le faisait. Bon, les familles nous voient, c'est drôle, on a du plaisir. Puis le télébingo, ben les gens à la maison, ça leur donnait une activité le dimanche soir avant 7 h, tu sais, entre 6 et 7. Ouais. Ça a toujours été la même plage horaire.
Puis ça s'est développé. Puis aujourd'hui, quand on le fait, bien, quand je le fais depuis l'année passée. Ça aussi, à l'époque, je me souviens de voir M. Pelletier tourner les pages, là, puis trouver les gagnants. Gagnants, tout ça. Puis je me disais, un jour, peut-être que je vais avoir l'occasion de faire ça. Mais on dit toujours ça en blague, mais l'occasion, des fois, se présente. Mais c'est ça, ça vient chercher les gens facilement à leur maison, sans se déplacer, peuvent participer à quelque chose où tu as l'impression qu'ils sont plus. C'est comme là, la semaine passée, il était 740. Là, on a déjà atteint des pics au-dessus de 800. On vise le 1000 cette année, le 1000. Le 1000! Mais non, mais on ne sait jamais. Avec le confinement, oui. Écoute, c'est quelque chose qui donne un coup de main au Télébingo. Puis c'est une des grosses moyens de financement de la télé communautaire. Et vous avez été à CGSR, évidemment, longtemps. Ça représente quoi pour vous deux, faire la télévision? Julie? Qu'est-ce que ça représente pour moi? Hey, je ne le sais pas. Je ne sais pas répondre à cette question-là. C'est une excellente question. Sérieusement, écoute, j'ai tellement commencé jeune, tu sais, à m'intéresser à ça que pour moi, c'était comme naturel. C'était pas un besoin tant de le faire, mais d'être là, ça m'amusait, simplement. Non, c'est bon. Ben moi, dans le fond, c'est un peu... L'amitié, tu sais, on a plein d'amis qui sont là. Ça parle au diable, était un pas mal les gros plateaux, parce qu'on s'est ramassé plusieurs jeunes, tu sais, vraiment friendly, tout ça. Puis on s'est mis à faire des idées qui nous sortent de la tête. On met ça sur papier, puis hein, on les crée. Puis il nous arrivait tout plein de... On aimait ça avoir du plaisir. On aimait ça, tu sais, créer quelque chose. On se rendait pas compte un peu de non plus là, de l'image que ça pouvait, tu sais. On se disait, oh, tu sais, c'est regardé ou ça l'est-tu seul, l'est-tu pas, on ne sait pas. Mais c'était juste de la création là, qui était vraiment plaisante. Puis de voir le résultat fini, tu disais, waouh, on peut faire ça. Certains, quand on le regarde aujourd'hui, on dit, ah, ouais. Ouf. Non, on peut faire plus avec un cellulaire. Mais à l'époque, d'avoir accès à tout ça, c'était génial là, pour nous autres. C'était, hein. Puis. Le pourquoi aussi, là, peut-être la question va venir, mais on est ici, c'est qu'on a commencé dans la bâtisse qui est en arrière de nous, le couvent, où ce que les bâtiments étaient dans le couvent, puis c'était hallucinant, tu rentrais, puis pour faire le son, là, c'était des coquilles d'œufs partout, tu sais, des douzaines d'œufs, là. Oui. C'était ça, à la grandeur des murs, pour que le son, tu fais, puis là, il y avait des couleurs, là-dedans, c'était là le premier local de Ça parle au diable, là, où ce qu'on recevait live, là, tu sais, du monde, puis on faisait des sketchs en avant... T'essaies de t'imaginer comment tu referais ça aujourd'hui. Là. Écoute, on était. C'était vraiment le fun. De la grosse créativité. Oui, c'est ça, exact. Mais c'était un petit local, puis on avait du plaisir. Puis après ça, il y a eu le déménagement là, qu'il y a eu à l'autre endroit. Puis c'est drôle parce que les studios de CJSR, où ce qu'ils ont été, où ce que ça l'a brûlé, bien, c'est là que j'allais jeune quand j'allais chez le dentiste. Fait que là, c'était rendu que je faisais des émissions à la place où ce que je me faisais nettoyer les dents jeunes. Ben, tu sais, il y a des fois des choses à quoi on s'attend pas, évidemment. Peut-être qu'un jour, je vais finir mes jours dans un des appartements ici. Jamais. On va pas aller vous réserver une place. Oui, là, oui. Faut se prendre d'avance. Vous avez fait Info 3 ensemble. Oui. Comment ça se déroule, la dynamique de couple, en travaillant ensemble à la télévision? Bien, en fait, on rit, on a tellement ri, mais ça a été la même chose aussi avec les autres personnes avec qui je l'ai fait, ou Philippe aussi le fait, parce qu'à un moment donné, on était comme plusieurs personnes, fait qu'on s'échangeait ça chaque semaine. C'était pas des échanges de couple, on s'entend? Non, en fait, tu sais, on avait chacun notre feuille, chacun notre petit bout à lire, fait que tu sais, on lit un petit peu, puis on... Ça se faisait naturellement. Oui, non, c'était vraiment... On voyait là qu'il y avait une bonne chimie entre nous deux en partant. Ouais. Puis l'avantage qu'on le faisait ensemble, c'est que ça me permettait d'arriver à l'heure, parce que si elle n'aurait pas été là, j'aurais arrivé en retard tout le temps, ça, c'est sûr. Mais non, puis ça faisait qu'on avait une activité ensemble aussi. À la place qu'il y en ait un à la maison qui attend après l'autre, bien, ça nous permettait de partager un moment. Puis non, avec Stéphane, c'était cool aussi. Il nous accommodait aussi, ouais, Stéphane, à la maison. Oui, on avec les enfants, c'était facile. C'est ça, oui, des fois, on voyait même les endroits passés, on les entendait en background, tout dépendait. Mais on est allé visiter, écoute, à Québec, on est allé plusieurs fois sur les plaines, un peu partout, faire des images. On a visité Saint-Raymond, le comté de Portneuf au complet. Si on regarde des images, on est un peu partout à dire les nouvelles. Fait que c'est ça qui était vraiment une belle dynamique, intéressante. Fait que... Seriez-vous les mêmes personnes que vous êtes aujourd'hui sans CJSR? Ah non, le bénévolat nous apporte. C'est important, je pense que... Ça... Puis en plus, on a tellement rencontré de beaux mondes, du monde de fun. Mais tu sais, Stéphane, j'en reviens souvent avec lui, mais tu sais, Stéphane a été tellement patient. Ça n'aurait pas eu sa patience, là. Je suis pas sûre qu'on serait encore ici aujourd'hui. Mais non. Ah non, ça a été que du positif. Le bénévolat est important, puis c'est important. Puis même pour les enfants, on trouve que c'est important. On aurait voulu les inculquer là-dedans, mais bon, la vie fait en sorte que le travail, les entreprises, des fois, ça devient plus difficile à...
à faire tout ça en même temps avec les activités qu'ils ont aussi, les enfants. Mais qu'est-ce que ça apporte à un enfant de s'impliquer dans la télévision? Bien, je te dirais que ça, lui, déjà, c'est l'imaginaire, là, tu sais, de voir ses parents à la télé déjà. Pour lui, ça fait drôle. Puis là, ben, on en profitait pour lui faire des petites choses à l'occasion. Puis, ben il se rendait compte que, hey, wow, c'est le fun, tout ça, tu sais. Puis, comment je pourrais dire, donc, ça les extrovertit un peu, là. Puis aussi de voir du monde, parce que, veux pas, on voit des gens. Puis là, souvent, ben moi, les enfants me disent souvent, bon, OK, papa, arrête de jaser, là, on y va dessus, parce que tu rencontres du monde, puis là, tu jases de toutes sortes d'histoires qui arrivent ou, tu sais, qui est arrivé. Enfin, c'est pour ça qu'il y a toujours des anecdotes dans ce temps-là, ouais, à raconter. Mais c'est le plus, là. Puis d'apprendre à connaître du monde aujourd'hui, c'est certain que ça apprend à parler, à être déjeuné un peu plus, t'es des enfants de... Écouter les autres. Puis ça prend du courage pareil pour être capable de... Parce que la plupart des jeunes nous disent, oh non, je veux pas la caméra, tout ça, mais quand on... Nous autres, pour nous autres, c'est naturel, mais le faire, je veux dire, c'est facile. Ah, non, c'est lui a pointé, plus, non, plus pour lui. Non, mais ça dépend. Non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, c'est ça nous apporte, tu sais, parler en public ou peu importe les situations. Écoute, comme tu as vu tous les anciens, souvent, il y en a beaucoup qui ont eu des rôles au niveau de la télé, Radio-Canada, TVA, peu importe, la radio. On ne sait jamais les portes que ça aurait pu ouvrir. Moi, je me suis en allé dans l'animation. J'anime beaucoup d'événements, autant sportifs, ouais, des choses comme ça. Là, probablement, j'aurais jamais été vers là si ça n'aurait pas été de la télé qui m'a, ouais, permis de découvrir ça, puis aussi de faire la caméra. On fait autant l'envers, en arrière qu'en avant. Comprendre les deux. C'est ça, comprendre les deux, effectivement. Mm-hmm. Et j'aimerais faire un exercice avec vous deux. Oui. Philippe, si vous aviez à dire les meilleures qualités de Julie comme animatrice, ça serait quoi? une de ses meilleures qualités, c'est qu'elle est belle. Ça passe toujours bien à la télé. Écoute, c'est génial. Mais elle est simple, dans le sens que, tu sais, elle va pas essayer de compliquer les choses. Elle garde ça comme si c'était Info 3. C'était, je me sentais en confiance avec elle parce que elle gardait, tu sais, comment je peux dire, il y en a qui voient tout compliqué des fois, là, puis qui veulent tout, si, ça, puis non, tu t'assis, tu relaxes, puis ça enlevait de la nervosité, là, incroyable à ce niveau-là. Ça permettait d'être plus nous-mêmes. Là. Elle a le don d'être soi-même. Ce que vous voyez à l'écran, c'est Julie. C'est pas quelqu'un d'autre. Là. Fait que ça, c'est vraiment sa force majeure. Là. C'est ce qu'elle dégage au niveau de l'écran. Puis ce qu'elle apporte comme... Moi, j'adore l'avoir à mes côtés. Ça me relaxe. Wow. Julie, si je vous pose la même question, les meilleures qualités de Philippe comme animateur? C'est une de ses forces, c'est sa voix. Il y a vraiment une voix, je trouve, parfaite pour ça. On est souvent autocritique envers nous-mêmes, on se dit, on doute notre voix, mais Philippe a vraiment une voix qui porte bien, il sait s'exprimer, il sait de verbaliser, il écoute vraiment bien les gens. Hein, t'as de la misère, là, il a envie de parler. Ouais, là. Non, c'est ça, mais c'est bon. Non, mais c'est bon. Non, il est tout le temps souriant, tout le temps dynamique, Philippe. Écoute, pour ceux qui le connaissent, là, si je regarde la caméra, mais c'est vraiment ça, tu sais, on le connaît, Philippe, il est dynamique. Il a toujours de quoi dire, il est intéressant, puis mais comme je dis, il écoute, fait qu'il est capable de dialoguer avec les gens. Fait que oui, ça force. Faire des entrevues, pour lui, c'est facile aussi. Vous avez parlé d'anecdotes tantôt. C'est quoi les anecdotes qui vous ont le plus marqué à CJSR? Des moments là, que, dans le temps, vous vous êtes dit, ça, probablement que je vais m'en rappeler toute ma vie. Bien, moi, il y en a une. C'est arrivé, on est pratiquement sur le site. Ici, c'est CJSR qui a amené ça, là. C'est par hasard, oui. C'est qu'il y avait la grosse bûche qui était sur le site, puis CJSR avait, écoute, on avait fait des choses, là, M. Voyer avait transformé sa roulotte en une unité CJSR mobile, là. C'était incroyable. On avait ça ici sur le site, là, on faisait des images. C'était en 2005, pour 2005, être précis, là, okay, c'est vraiment en 2005. Ah oui, c'est vrai, parce que Léonore était grosse en main. Oui, notre fille, écoute, elle avait 2 mois. Puis, tu sais, on était sur le site, on était à la caravane, puis on était assis, puis on jasait de la prochaine émission, tout ça, puis on voit, Martin, pas Martin, c'est Christian Ouellette qui arrive, puis il dit... Christian Côte, excuse-moi, Christian, je m'en mêle de nom. Mais il arrive, puis il dit, il t'a vu toi avant, c'est ça. Il dit, il est où Philippe? Ben, je sais pas, il est à quelque part sur le site, probablement justement à la caravane. Il dit, j'ai besoin de lui. Ben, j'écoute, va le voir, tu sais. Puis c'est là que j'ai commencé à animer les concours de scie mécanique, parce que leur animateur n'était pas là, puis ils cherchaient quelqu'un, puis ils sont venus me voir. Mais ça, c'est grâce à CJSR. Ouais. Tu sais, c'est une anecdote, là, je veux dire, qui fait genre, hein, OK. Puis à partir de là, l'animation, là, comme on parlait tantôt, a commencé vraiment là. Beaucoup, j'en
j'en faisais pour le club 4x4, mais là, avec en plus les concours de scie, là, ça m'a amené à d'autres choses. J'ai fait ça pendant plusieurs années, on a eu du plaisir au maximum, mais c'est des choses de CJSA, des anecdotes, justement, là, ça. Puis une de mes... ce que j'avais, c'était les 24 décembre au soir, on avait le party de Noël. Oui. Le 24 au soir, CJSA se faisait comme une mission, mais c'est grâce à Luc Falardeau qu'on le faisait en alternance à un moment donné, que lui arrivait avec des jouets, tout ça. Puis durant la veillée de Noël, de 6h à minuit, là, on avait des bénévoles qui étaient là, on s'amenait des sandwichs, tout ça. Puis on divertissait le monde. Là, on avait des petits spectacles, des choses comme ça. C'était en direct. On recevait des appels qui souhaitaient des joyeux anniversaires. Moi, je me souviens, j'ai des amis qui débarquaient en studio, qui venaient, en tout cas, faire des chansons. Des moments inusités que tu t'attends pas, là, vraiment, ça a été un temps où ce qui pouvait en arriver de toutes sortes, effectivement. Puis une des fois, justement, à ce moment-là, moi, j'étais à la maison avec ma famille, les enfants, ils étaient petits. Philippe, il était là-bas à CJSR, fait que c'est ma fille qui a appelé, Éléonore, puis c'était pour faire une chanson. Donc, hey, là, Philippe, là, il est venu, il était ému, ouais, mais c'était beau, sa fille qui chantait à son émission en direct, c'était super le fun, ouais. Puis les enfants qui appelaient, qui chantaient, bien, ils avaient le droit à un cadeau, hein. Ouais. Ouais, c'était vraiment intéressant. Non, c'est ça, c'est des moments assez uniques que CJSR nous permettait de vivre, là, de cette manière-là, là, de ce côté-là. Puis après ça, bien, t'as les autres côtés, là, quand on avait des émissions spéciales. Tu sais, ça parle au diable, là, c'est sûr que ça a été un tournant aussi parce que, écoute, Jack Scrap qui faisait des... Hey, tu sais, moi, j'arrête pas de dire le mot incroyable, là, puis on peut en parler à Denis Baribeau. Denis Baribeau qui a été aussi, là, vraiment, tu sais, une plaque tournante dans tout ça. Lui, c'était mon prof d'art dramatique. Puis, écoute, il nous a coachés, puis il amenait toutes sortes d'idées, là. Puis lui, dans ses vidéos, il disait tout le temps « Incroyable! » Puis il avait tout le temps un casque. Puis j'ai gardé cette mimique-là de lui, là. Mais tu sais, c'est... Ah oui. Il y a eu des... On a fait les pionniers de Saint-Raymond, des vidéos qui parlaient, tu sais, des arrivants. Moi, je jouais le rôle de Joson Derry. Puis on se promenait, on allait à la cabane souriante. Puis on avait fait toutes sortes de vidéos. C'était vraiment génial. On a même, à cause de ça, fait un soir au Salon Rouge, un spectacle sur la scène du Salon Rouge, là, pas connu ça, mais je pense que c'est lors d'un souper des Lions, lors d'un souper important. On faisait une soirée spectacle, puis c'était nous autres en tant qu'acteurs, vu qu'on avait fait ça, qu'on faisait, on faisait de la scène, on n'en faisait pas tous les jours, là. C'est pas pareil comme faire de la caméra. Puis on avait fait tout un show, on avait eu du fun, là. Ça avait été toute une soirée. Ouais. Cette année, c'est le 50e de CJSR. Qu'est-ce que vous souhaitez chacun à la station, Julie? Et que ça continue. En souhaitant qu'il y ait d'autres bénévoles comme nous aussi, passionnés, intéressés, à soif d'apprendre, de continuer, puis d'intégrer aussi qu'il y ait des jeunes qui le fassent un peu comme... Tu sais, moi, j'ai commencé à l'âge de 12-13 ans à être la caméra principalement. On faisait ici, lors des tournois de hockey mineur, moi, je me promenais avec la caméra, j'étais bien contente. Là, c'était des d'autres gars que je regardais. Mais, non, mais tu sais, il faut commencer quelque part, puis... Tout est intéressant à apprendre. T'sais, c'est un monde, là. La télévision, là, c'est tout qu'un monde, là. C'est créatif, mais on a besoin d'être très humain en même temps. J'espère que CJSR va continuer à créer des talents, comme on a vu se développer, des gens qui ne se connaissent pas, puis grâce à d'avoir touché à ça, ça les a développés. Là, j'espère revenir à l'époque des 30 bénévoles ou peu importe les gens qui viennent s'impliquer. Puis je vous le dis à la maison, là, vous êtes intéressés, vous pensez que vous avez des idées. On voit les jeunes aujourd'hui avec ce qu'ils peuvent créer. Bien là, ils peuvent le diffuser puis en apprendre encore plus aussi sur les techniques de travail, de montage, de ci, de ça. Alors, c'est toute une ouverture souvent que les gens ne pensent pas. Alors, on espère, mais vraiment une création de talent des jeunes. Moi, dans mes dernières années, j'ai fait une émission qui était Sport 9, puis j'avais des jeunes avec moi qui avaient plus de difficultés, qui n'étaient pas nécessairement à l'aise, puis j'étais content, je les coachais, puis ils se sentaient à l'aise aussi à côté de moi, puis on a réussi à créer cette émission-là pendant 5 ans. J'avais même un collaborateur de Pont-Rouge qui me parlait de hockey, avec qui je joue au hockey aujourd'hui. Mais on a développé des fraternités avec ces jeunes-là, que même eux autres n'auraient pas pensé, puis ça les a donné une confiance en eux. C'est ça aussi, c'est la confiance en soi que ça peut te donner de pouvoir faire ce genre de choses-là. Comme toi aussi, là, je veux dire, c'est une belle plateforme pour continuer d'évoluer puis continuer de monter. Là. Moi, je pense à Maxime Denis. Bon, bien, Maxime, moi, j'ai fait son premier Info 3 avec lui. Là. Julie, on faisait la rotation. Ouais. Puis on était dans les premières Info 3. Je pense qu'on était au Moulin Marcoux. Lui, il a fait son entrevue, là, je pense. Puis on était là, au Moulin Marcoux. Puis, tu sais, j'arrêtais pas de faire des jokes puis, pour le faire rire ou faire perdre sa concentration, des choses comme ça. Mais c'était parfait. Là. Mais lui, déjà, on le voyait jeune, qu'il y avait un avenir dans le domaine. Prometteur. Prometteur. Ouais. C'est ça qui est le fun, là, de voir tout ça arriver.
C'est ce qu'on espère que CJSR va continuer. Si je vous demande, en terminant, CJSR en un seul mot. Il n'y a pas un mot. Ben, pour moi, c'est Stéphane Lépine. C'est dur de passer à côté. Stéphane, il faut lui donner ce qu'il y a eu. Il a quand même fêté ses 30 ans, CJSR. 25. C'est ça, 25. Il y a la moitié de la vie de CJSR, Stéphane est là. T'sais, autant pour les up and down, tout, Stéphane s'est vraiment donné. Il n'y a pas beaucoup de monde qui aurait fait ça. Pis c'est lui qui a donné la chance à plusieurs personnes comme nous, justement, de tenter l'expérience. Oui, vraiment, il nous a vraiment, comme tu dis, de donner la chance. Il nous laissait l'opportunité d'essayer plein de choses. Dernière question, seriez-vous en couple si vous n'aviez pas fait CJSR? Bon, écoute, CJSR a beaucoup de mérite, mais pas là-dessus. Disons qu'il a aidé à fortifier notre amour. Puis tu sais, il nous a donné la chance de pouvoir faire une émission ensemble. Ah oui. C'est intéressant, je veux dire. On regarde ça, là, on a des souvenirs. Stéphane, il nous faisait des émissions de bloopers. Ah, oui. Tu sais, à la fin de l'année, d'Info 3, là, il nous arrivait avec des cassettes, puis il disait, ça, c'est les bloopers de l'année, puis on se regardait, puis lorsqu'on partait à rire, tout ça. Mais tu sais, de pouvoir le vivre ensemble, ben écoute, c'est magique, c'est des instants qu'on n'aurait pas partagé autrement. Fait c'est, pour nous autres, c'est des moments vraiment importants là, de tout. Puis comme elle disait, les enfants sont venus au travers ça. Oui. Tout est. On a vieilli avec ça, là. Fait que c'est. Fait que j'ai trouvé le mot, moi. Oui. C'est les moments. Ah. Oui. Tous les moments que ça m'a créé, apporté. Ouais. Souvenir, oui, c'est vrai. Oui. C'est tellement un médium qu'on est chanceux d'avoir dans le comté. C'est important d'en prendre soin et de continuer de le nourrir, autant par notre énergie que lui va nous nourrir. C'est un échange. Fait que, ça, c'est la beauté dans tout ça. Ouais. Est-ce que c'est possible de revivre, de retourner aux belles vieilles années de CJSR, selon vous? Je pense que oui. Bien, oui et non. Ça va être une nouvelle approche parce que c'est sûr que nous, on découvrait la technologie. Avoir une caméra entre les mains et filmer, c'était quelque chose qu'on pensait pas beaucoup possible. Mais aujourd'hui, avec les téléphones, les jeunes sont baignés là-dedans, mais ça va peut-être amener quelque chose de différent, justement, peut-être même plus dynamique encore. Les jeunes sont attirés naturellement, puis avec les réseaux sociaux, on diffuse, CJSR diffuse aussi, tu sais, des capsules. Ça va être différent, ça sera peut-être pas des émissions d'une demi-heure, ça va être des capsules d'une minute, deux minutes, mais qui vont arriver. De créer les amitiés, ça va être vraiment une gang d'amis, là. J'imagine, je vois, tu sais, je prends exemple, ma fille, dans son cours, ils sont, tu sais, une vingtaine, une quinzaine, sont proches. Est-ce qu'un jour, tu sais, en secondaire 5 ou peu importe, ils vont décider de, bon, bien, on se fait une émission, on se fait... Puis même s'ils le font à l'extérieur, ils ne sont pas obligés de prendre les affaires de CJSR, mais le diffuser à CJSR, ça va amener d'une autre dynamique. Mais je pense que ça va être... ça va être du travail, effectivement, mais à chaque époque, son style à lui. Parce qu'avant nous, si je remonte à Luc Falardeau, à ces gars-là en premier, ou même j'ai des amis qui faisaient, écoute, sport plus en direct, ils recevaient des appels, je me rappelle la table de bois avec des chaises, bien quand, tu sais, là, c'était le basic du décor, puis on reçoit des appels, puis même on faisait des coups de téléphone, c'était drôle, là. Mais, parce qu'il y a le centre multifonctionnel, on avait fait une blague de piste multifonctionnelle, en tout cas, au go au téléphone, tu sais, on avait beaucoup de plaisir. Mais... Là, s'il ne le savait pas, bien là, le savait, non, mais je pense qu'ils l'ont su bien avant. Mais c'est ça. Alors, cette génération-là aussi a découvert, eux autres ont vraiment forgé l'arrivée de CJSR. Nous, on était dans le milieu. Là, après ça, la génération d'après, on a comme arrivé avec des émissions, plus de jeunesse. Puis la prochaine, ça leur appartient, ça vous appartient de faire de CJSR encore plus que ce qu'elle a été. Mais pour essayer aussi de dire ce que Philippe racontait, pour répondre à ta question, moi, je crois que oui, on peut recréer des moments. Ils vont être différents parce, comme qui dit, l'effet de la technologie, l'effet de l'accessibilité de tous les réseaux sociaux, c'est différent. Mais je crois qu'on peut recréer un peu le dynamisme qu'il y avait dans le temps. Tout à fait, ça, j'y crois, là. On souhaite le dynamisme. Ouais. Cet amour conduit au creusage de nouveaux puits d'alimentation en eau. Qu'est-ce que tu veux sur l'ensemble?
Assemblée provinciale de Portneuf est celui qui a parti de balle il y a deux semaines. Monsieur Bertrand nous a notamment parlé de son... Bonne semaine à votre antenne. Bonsoir, Philippe. Bonsoir, Julie. Bonsoir à la maison. L'activité qui aura lieu vers la fin mai 2003. Cette activité aura pour objectif... Bye.